Aujourd'hui, je vais construire 3 pièces secrètes dans ma maison pour me cacher d'un vrai détective. Car depuis petit, j'ai toujours voulu avoir une pièce secrète et j'en ai construit énormément. Mais chacune d'entre elles ont été trouvées. Du coup, avec mes amis, on a dépensé 5 000 € pour créer des pièces secrètes impossibles à trouver. Imagine, fermer une porte et devenir invisible aux yeux du monde entier. Et je suis tellement confiant que j'ai fait appel à un vrai détective pour tenter de nous trouver en moins d'une heure. Allez, allez, donne-la, gros, mais où cette pièce secrète? Mais attendez, les gars, moi, ma pièce secrète, je vais la faire tout seul. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est trop nul. J'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai une petite idée, les gars. Suivez-moi. Twanlad, Bilal, encore cela. Encore cela. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Je me présente. Je suis l'agent Z en mode détective. Et on m'a missionné aujourd'hui pour aller retrouver Twanlag, Bilal et un pote à eux. Comment il s'appelle déjà celui-là? Bobo. Dans une des pièces secrètes les plus extrêmes que Twanlag n'a jamais fait. Vous inquiétez pas, ça va être réglé en moins de 2. La vidéo va être très courte. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a que 1 heure pour faire la meilleure pièce secrète possible. Donc là, ça va être très très chaud. En vrai, je pense que ça va. La maison, elle est énorme, c'est sûr. Je vais trouver une cachette de fou pour faire la meilleure pièce secrète de tous les temps. Où c'est qu'il peut y avoir des cachettes? Oh, c'est quoi cette dinguerie, les gars? Wesh! J'ai jamais vu ça. C'est un vase géant. Si j'arrive à rentrer là-dedans, c'est la meilleure cachette. Oh là là. Oh la dinguerie, les gars! Il y a grave de la place en plus. En vrai de vrai, si je trouve pas une meilleure cachette, c'est sûr, c'est ici que je vais faire ma pièce secrète. Je fais quoi ici? Bah ça y est, j'ai trouvé ma pièce secrète. Mais t'es fou, on t'entend crier de tout là-bas, c'est pour ça que je suis venu ici. Ça résonne. Bah oui que ça résonne beaucoup trop. Oh vas-y, mais j'en ai marre, je pensais que j'avais la meilleure cachette. Bon allez, moi j'y vais moi. Bon c'est très simple les amis, ce que je vais faire c'est rentrer directement dans la maison, je vais pas perdre de temps. Suivez-moi. Les amis, va falloir que je regarde de partout, même sous le fauteuil, hop là, y a rien du tout. Et même, surtout, surtout, les trappes. On sait jamais, il peut se cacher une trappe n'importe où les gars. Y en a une juste ici. Mais attendez, c'est quoi cette trappe là? Mais c'est tout petit en vrai de vrai. Mais ta trappe, elle est claquée. Viens, je vais te montrer la meilleure trappe de la villa. Il y en a une autre? Ouais, bien sûr. Juste ici. Mais non. S'il te plaît, laisse-la moi. Bon, allez, vas-y, je te la laisse. Je vais même t'aider. Vas-y, attends, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Attends, vas-y. On laisse tomber, on laisse tomber. Bon, les gars, comme vous savez, moi je suis géant, donc il me faut une pièce secrète géante. Mais je sais pas du tout où je vais trouver une pièce secrète géante. Alors, ouh, l'armoire de fou. Regardez-moi ça. Il y a peut-être de la place. Oui, il y a de la place. Regardez. Oh, wesh, je viens de casser la pièce secrète, les gars, non. Faut vite que je me dépêche et trouver une autre pièce secrète. Je ne leur laisserai que très peu de temps pour construire une pièce secrète légendaire qui marquera le YouTube game français. Je les trouverai en moins de 2 minutes chrono. Pardon, je suis l'agent Z en mode détective. Je peux pas me comporter comme un sauvage. J'ai un standing à tenir. Allez, suivez-moi. On va cambrioler leur villa. Allez, je me dépêche, là. Où c'est qu'il y a des cas? C'est quoi ça? Qui c'est qui a tout cassé? Bon, de toute façon, là, j'ai pas le temps, j'ai que 1 heure pour trouver une pièce secrète. En vrai, je vais voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Oh, mais y a rien ici. Par contre, je pense que je vais trouver une cachette dehors. Regardez-moi ça, comment le jardin, il est immense. Je viens d'avoir une idée. Voyez ce toit? Y a rien du tout dessus. Et si je construisais pas une fausse cheminée pour faire une pièce secrète dedans? Comme ça. Eh, hey, mais toi, là, qu'est-ce que tu racontes? Frère, y a rien dehors, j'ai déjà vérifié. Vas-y, viens, on va à l'intérieur. Il raconte n'importe quoi. En vrai, je viens d'avoir la meilleure idée. Oh, les gars, c'est sûr que c'est à l'intérieur que je vais trouver une cachette. Y a rien à l'extérieur, toi, là, qui fait n'importe quoi. Et c'est moi qui va gagner. L'agent Z, il me trouvera pas. Let's go. Bon, souvent, les meilleures cachettes se trouvent sous les escaliers, les gars. On va vérifier ça tout de suite. Non, ça va être mort. Par contre, oh là 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 là, la moto de fou. Bon, faut que je me dépêche. Faut que je trouve un endroit pour me cacher, les gars. Y'a quoi ici? Oh, un cinéma. Incroyable. Mais c'est un truc de fou. En plus, il y a des sièges exprès, comme dans les cinémas. Attendez. On peut même s'allonger. Ah là, je suis bien, les gars. Les abonnés, venez, venez, venez. Je vais vous dire un secret. Je déteste absolument Twanlag. Mais qu'est-ce qu'il est fort en pièces secrètes? Donc pour ça, j'ai dû m'équiper du meilleur matériel disponible pour les détectives. Cette caméra thermique est un indispensable de l'agent Z pour capturer les zones froides ou chaudes. Bilal et Twanlag sont toujours chaud patate. Ce sera facile de les trouver avec ça. Laissez-moi vous présenter mon tout nouveau jouet. Voici la caméra filaire. Cette caméra de dernière technologie me permettra de chercher dans les moindres recoins une pièce secrète et d'avoir la vision sur ce retour écran. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi cette dinguerie, wesh? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est toi, tu fais quoi, là? Mais gros, on a 1 heure pour trouver la meilleure cachette possible, t'es en train de regarder une vidéo sur YouTube. C'est bon, j'ai fait une petite pause, c'est rien. Vas-y, oh, y a pas de pièce secrète ici, y a rien, frère. Regarde, j'ai regardé sous les canapés, y a rien. T'es sûr de toi?
Ouais, et ben moi je vais te prouver le contraire. Je vais construire une pièce secrète ici et je vais gagner, frère. Tu veux faire comment? Et ben c'est tout simple, regarde. On est dans un cinéma, je vais construire une machine à popcorn et je vais me cacher à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas avoir du temps pour faire ça? Eh oui mon gars, t'inquiète pas pour moi. Allez, va vite chercher une pièce secrète. Bah, là. Attends, je sais pas où elle... Attends, il y a une porte là-bas, je l'avais pas remarqué. Attendez les gars, on va aller voir ça tout de suite. Wouah, c'est quoi ça les gars? Mais pourquoi il y a des pieds? Mais Bobo, tu fais quoi à l'intérieur là? T'es malade ou quoi? Bah frérot, je suis caché. C'est pas un cache-cache. Faut faire une pièce secrète, frère. Vas-y, sors de là, toi. Allez. Attends. Moi, ce que je vais faire là, faut que je trouve un endroit dans lequel me cacher. Attendez. Une pièce secrète dans un jacuzzi, ça serait incroyable. Mais pour le moment, c'est pas possible, les gars. Oh, attendez. Il y a un sauna, les gars, c'est incroyable. Il y a moyen de faire une méchante pièce secrète. C'est grave spacieux. Oh là 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 là, je m'y vois déjà. Par contre, va falloir rendre ça secret. Je vais devoir transformer cette porte en miroir. Comme ça, quand l'agent Z va passer devant, il me trouvera jamais. Voici mon deuxième nouveau bébé. La lampe ultraviolet. Grâce à leurs empreintes digitales, ils sont morts. Je vais les trouver en 2 secondes, les gars. Et bien sûr, un incontournable de l'agent Z en mode détective. La loupe. Ah ah. Twan Lag et Bilal n'ont qu'à bien se tenir. J'arrive équipé comme jamais et déterminé. 99, 100. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'as toujours pas trouvé ta cachette? Bah non. Mais mec, t'es foutu, l'agent Z, il va arriver d'une minute à l'autre. Ok, tu sais quoi? Suis-moi, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Tu vois ce placard? Ouais. Et bah regarde. Oh, il est immense! Il y a même de la place pour deux! Eh oui! Bon, par contre, je reste solo. Mais comment ça? Allez hop, j'ai plus qu'à l'aménager, les gars, et c'est bon! Pour commencer, les gars, j'ai juste à rendre cette porte complètement invisible. Et normalement, j'ai juste à faire ça. Oh, oh là là, on dirait même plus une porte! Mais les gars, c'est un miroir. C'est impossible que l'agent Z puisse me trouver. Quand je vous dis que j'avais prévu de tout détruire sur mon passage, regardez cette pelleteuse. J'allais débouler dans la maison et tout fracasser. Twan Lag, Bilal, préparez-vous et faites chauffer le barbecue, histoire que j'y fasse cuire Boris la saucisse. Regardez-moi ça, j'ai juste à rentrer à l'intérieur et hop, on me voit plus. Eh oh, vous me voyez? Mais wesh, oh la dinguerie, on te voit pas. Ouais. Mais attends, mais comment t'as fait pour mettre un miroir ici? T'inquiète, te casse pas la tête. Bon, prochaine étape, aménager ma pièce secrète. Bah ouais, là, parce qu'il y a rien du tout. Et toi, t'en es où? Bah justement, j'avais besoin de toi, allez, viens. Vas-y. Toi là, pourquoi tu m'as ramené ici? Et bah justement, ça se cache derrière cette porte. Et c'est qui, lui? Ah, je t'ai pas présenté Raph. Raph, c'est le meilleur bricoleur que je connais. Il m'a construit une machine à popcorn géante dans laquelle je vais pouvoir me cacher. Et l'agent Z ne me trouvera jamais. T'as fait ça en combien de temps? Ça, ça a été fait en 10 minutes, les gars. 10 minutes pour faire ça? L'agent Z, il va bientôt arriver. Bah oui, c'est vrai, vas-y. Je vous en ai jamais parlé, mais c'est ici que j'ai grandi. Dans cette montagne cachée. Lorsque j'étais enfant, cette maison, j'ai dû la construire de mes deux mains. Ce qui a fait de moi un homme déterminé, intelligent et méthodique. Pas de chance pour mes ennemis, j'arrive tout droit chez eux. Je comprends rien à sa machine à popcorn là. Il va se cacher où même? Je comprends rien. Mais moi, je suis là, Bilal. Oui, il fait quoi? Bah voilà, c'est ma cachette. Oh là là. Elle est pas incroyable. T'as fait comment pour rentrer dedans là? C'est où? Ah, moi je te dis pas. Essaye de trouver. Mais attends. Non, toujours pas. Fait? Eh ouais, je suis là. Mais non, dinguerie. Et mec, il y a grave de la place. Je vais faire la meilleure pièce secrète de tous les temps. En vrai, j'ai la meilleure cachette. Regardez-moi ça, comment j'ai grave de la place. C'est sûr, ma pièce secrète, elle va être incroyable. Bon, maintenant, il faut que je décore ma pièce secrète. Et c'est pas tout, puisque pour le moment, la machine à popcorn, elle ressemble toujours pas à une machine à popcorn. Donc là, j'ai beaucoup de boulot. Faut que je me dépêche parce que l'agent Z, il va bientôt arriver. Oh là là, les gars, regardez tout ce que j'ai trouvé dans la chambre de Twan Lag. C'est incroyable. Wesh, t'as trouvé ça où? Dans ta chambre. Mais non, mais c'était là. Moi ça, vas-y frère. Sérieux? J'avais tout prévu. Bon allez, tu me dépêches. Bon, je vais en chercher d'autres. C'est bon les gars, j'ai fini d'installer toutes les lumières dans ma pièce secrète et elle est magnifique. Regardez-moi ça, toute la place que j'ai à l'intérieur avec ces lumières multicolores. Oh là là. Bon, j'ai pas totalement fini la décoration, mais j'ai trop envie de voir où il en est Bilal. Donc on y va tout de suite. Oh là là les gars, c'est une dinguerie, comment on voit rien dans la pièce secrète de Bilal. Attendez, je vais voir. Waouh! Mais c'est quoi cette dinguerie, wesh? Je crois que j'ai chômé. Elle est incroyable, ta pièce secrète. Elle est beaucoup trop belle. Mais comment ça se fait qu'on voit pas à travers? C'est une dinguerie, je t'ai dit, ça fait effet invisible. Oh là là, mais en plus, toi, t'as grave de la place comparé à moi. Je peux me tenir debout, tranquille. Attends, attends, viens, on va voir Bobo. Vas-y, viens. C'est quoi? Ok, Bilal, Bobo, il est juste ici. Regarde là, on voit toute la lumière. Bobo! Ouais! La dinguerie, c'est quoi cette pièce secrète de Zaza? Elle est gigantesque. Mais wesh! Pour une première
pièce secrète, t'as géré. Eh ouais, les gars, et en plus, j'ai même un siège RGB. Mais il est magnifique, attends, fais voir. Bon, il est incroyable, je suis jaloux carrément. Oh là là, mais franchement, t'as fait une des meilleures pièces secrètes. Par contre, les gars, on mange dans combien de temps là? Parce que j'ai trop faim. Mais j'avoue, mais moi, j'ai pas fini la pièce secrète, j'ai pas mis la nourriture. Et il faut aussi jouer aussi, les plays, tout ça. Vas-y, go. Waouh, mais c'est quoi cette dinguerie? Il y a tout ce qu'il faut pour faire la meilleure pièce secrète. Mais les gars, regardez-moi ça, toutes ces consoles, c'est un truc de fou. Oh, regardez toutes ces canettes. Attendez, les gars. Là, il faut qu'on soit stratégique. L'agent Z, il va arriver d'une minute à l'autre. Bilal, prends toutes les peluches. Bobo, prends toutes les boissons. Regardez-moi ça, les gars. Oh, il y en a trop. Avec tout ça, j'aurais plus soif. Et moi, bien évidemment, je suis caché dans une machine à popcorn. Du coup, je prends toutes les popcorn. Allez. Oh, oh là là, les gars. Regardez-moi tous ces popcorn. Avec ça, c'est sûr. Je vais pouvoir totalement remplir ma pièce secrète et devenir complètement invisible. Par contre, il faut que je me dépêche parce que l'agent Z, il va bientôt arriver. Allez. Oh là 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 là, les gars, ma pièce secrète, elle est enfin finie. Regardez tout ce que j'ai des M&M's, des bonbons, j'ai tout. Je sais même plus où donner de la tête. J'ai plus qu'à installer tout ça et ma pièce secrète est terminée. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi tout ça. J'ai misé sur la décoration intérieure de ma pièce secrète. Regardez toutes les peluches que j'ai. Et en plus de ça, j'ai dévalisé tous les bonbons. Et il y en a pour tous les goûts. Et en plus de ça, regardez, je vais pouvoir m'amuser dans ma pièce secrète. Je suis sûr que c'est la meilleure. Et le dernier, voilà. Les gars, ma pièce secrète, elle est incroyable. Regardez, on la voit même plus. Oh, attendez, je vais voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Ok. Waouh. Oh, mais oh, c'est incroyable. Regardez tous les popcorn autour. Je vois plus rien là. C'est sûr, ma pièce secrète, elle est mieux que celle de Binel. Et voilà, c'est juste incroyable. Oh, Binel, faut... C'est quoi ça? Pourquoi t'as pris mes nerfs? On sait jamais. Si la Z, il arrive, au moins je vais pouvoir me défendre. Attends. Déjà, de 1, qui t'a autorisé à prendre mes nerfs? Et de 2, t'as pas vu la dinguerie qu'il y avait dans mes nerfs? Y'a quoi? Viens voir. Vas-y. Vas-y, dépêche-toi là, on a plus beaucoup de temps. Vas-y. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est quoi tous ces nerfs là? Mec, c'est ma collection de nerfs. Par contre, tu t'es trompé. Tu m'as pris des nerfs Elite 2.0 alors qu'il y a la toute nouvelle gamme N-Series qui vient les remplacer. Oh papa, ils sont trop beaux. Incroyable. En plus, je sais pas si t'as vu, mes nerfs, ils ont construit des toutes nouvelles balles. Mais non, fais-moi. Oh, précision, vitesse et distance extrême. Eh oui, c'est tout nouveau. Viens, on va tester. Vas-y, go. Allez, on se dépêche. Il y a la chaussette qui va arriver là. Oh là là là, ça a l'air d'être une dinguerie. Oh, regarde le design futuriste. Mais même moi. Oh, vas-y, faut qu'on teste, les gars, faut qu'on teste. Comment il est précis, j'aime trop. Et regardez-moi ça, les gars, j'ai un chargeur avec 40 balles. Wow, c'est quoi ce dinguerie? C'est incroyable. Wow. C'est quoi ça? Il est parti super loin. Eh hey, mais avec ça, c'est sûr, je vais gagner toutes les prochaines vidéos. Mais t'es malade, je resterai toujours plus fort que toi. Mais n'importe quoi. Vous savez quoi, les gars? On va voir qui est le meilleur tout de suite. Premier qui touche une cible, gagne. Ok, Binel, okay. T'es foutu, regarde comment je suis fort. Boum. Attends. Ah, t'es trop nul. J'ai failli la toucher. J'ai presque plus de balles. Vas-y, tire. Mais t'es vraiment trop nul. Attends, regarde, je vais en toucher une deuxième. Ouais, les gars, je suis meilleur que Binel. Les gars, l'agent Z, il va arriver, dépêchez-vous, go. Ah, j'arrive. Les gars, il y a l'agent Z qui va arriver, et là, je me rends compte que j'ai tout oublié dans ma pièce secrète. J'ai juste mis des pop-corns. Binel et Bobo, ils ont tout pris pour eux. Donc là, je vais vite aller dans leur pièce secrète, et je vais aller récupérer ce qu'il faut. Ok, les gars, c'est parti. L'agent Z, je crois qu'il vient de commencer à chercher. Bobo, faut pas que je fasse de bruit. Ouais, Bobo, laisse-moi passer, s'il te plaît. J'ai rien dans ma pièce secrète, donne-moi de la nourriture. Mais dépêche-toi. Je vais prendre des M&M's, c'est bon? Tiens, prends des canettes aussi, mets-toi bien. Oh oui, tu régales. Vas-y, l'agent Z, il arrive. Ok, les gars, là, je suis bien. J'ai un peu de Fanta, j'ai des M&M's. Par contre, là, il y a Binel aussi qui a plein de trucs. Attendez, je vais aller le voir. Hop là, on scelle la pièce secrète. Là, on est trop bien, regardez-moi. J'ai la play, j'ai des bonbons, j'ai des chips. Pendant que l'agent Z va me chercher. Oh, je vais trop être bien. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est la pièce secrète la plus grande qu'on ait pu faire. C'est la plus grande. Et en plus, je suis sûr que c'est la plus belle. Les gars, dans les commentaires, je veux que vous votiez. Je veux savoir quelle est la meilleure pièce secrète. Et surtout, ne dites pas que c'est celle de Twan Lake. La mienne, elle est beaucoup plus stylée. Binel, il est juste ici. Oh, sa pièce secrète, elle est incroyable. Binel, j'ai oublié de prendre plein de nourriture. Attends, pousse-toi. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux des Pringles. Mais non. Non, mais vrai, ça c'est un moi. Partage, t'as vu tout ce que t'as? Ok, attends, c'est moi qui choisis. Hop, tiens. Voilà. Hey, j'ai plus le temps là, viens m'aider. Viens. Vas-y, viens. Tiens. J'ai enfin retrouvé leur maison. Je les ai suivis depuis la ville de Lyon. Et ils ne pourront pas se cacher de moi plus longtemps. Vas-y, Binel, envoie tout. Allez, tiens. Allez vite, la Z, il arrive là. Allez, hop là. Nickel. Allez, c'est carré, on y va. Ok, les gars, c'est parti. L'agent Z, je crois qu'il vient de commencer à chercher. Faut pas que je fasse de bruit. C'est bon, les gars, je suis dans ma pièce secrète. Il y a l'agent Z qui va arriver. Par contre, là, j'ai grave soif. Donc, je vais me faire un petit fond. Merci beaucoup, Bobo.
ça rafraîchit, franchement. Je pense honnêtement que j'ai la meilleure pièce secrète qui n'a jamais été créée. Regardez-moi ça, je suis littéralement autour des popcorns. Oh là là, mais ton lag, il fait encore du bruit. Qu'est-ce qu'il fait? La Jean-Z, il arrive, là. Un véritable détective privé ne rate jamais un indice. Regardez ce qu'il y a ici. Je vais utiliser mon matériel pour pouvoir analyser et traiter cet indice. Ah, je sais ce qui pourrait m'être utile. Voici ma loupe, capable de zoomer jusqu'à 200 fois. Suivez-moi. Oh, j'en crois pas mes yeux. Voici une véritable balle de nerf. Et j'ai un scoop pour vous. Twan Lag est l'un des plus grands fans de nerf qui n'ait jamais été connu sur le YouTube game français. Il me reste qu'une seule chose à faire. Récupérer l'indice sans y laisser mes traces. Par contre les gars, je suis dégoûté. Bilal, il a pris la PS5 et Bobo, il a pris la Switch. Du coup, moi, j'ai plus rien pour ma pièce secrète. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai pris mon iPhone, les gars. Et je vais pouvoir jouer à Stumble Guys. Parce que là, c'est sûr, l'agent Z, il va jamais me trouver. Je vais rester au moins 24 heures dans ma pièce secrète. En plus, si jamais j'ai faim, j'ai plein de popcorn autour de moi. Les gars, j'ai tout prévu au cas où l'agent Z arrive. J'ai installé une caméra de surveillance dans le cinéma. Et comme ça, je vais pouvoir anticiper les faits et gestes de l'agent Z. Et s'il arrive, vous inquiétez pas. Regardez, je suis armé. L'agent Z n'a qu'à bien se tenir. L'enquête de l'agent détective Z ne s'arrête jamais tant qu'il n'a pas trouvé sa proie. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, tiens, tiens. Je sais que Bilal aime beaucoup le foot. Mais le foot ne l'aime pas. Regardez donc ce ballon. Un ballon qui vient tout droit du championnat de Ligue 1, édition 2023-2024. C'est très très récent. Ces deux youtubeurs sont toujours au top de la mode. Il n'y a pas de doute là-dessus. Eh hey, les gars, j'arrive. Oh, les gars, l'agent Z il vient de crier, je l'ai entendu. Il arrive bientôt. Hop, je vais me mettre bien, je vais me prendre un petit coca. C'est parti pour la dégustation. C'est trop bon, coca vanille les gars, c'est le meilleur. En plus de ça les gars, à travers cette porte juste ici, je vais pouvoir observer l'agent Z s'il débarque. Regardez, là je vais pouvoir voir ce qui se passe dans la pièce. En revanche les gars, on peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Je suis un génie. Faut bien que je m'occupe de ma pièce secrète les gars. Là j'ai un objectif, c'est débloquer le phénix cosmique. Si je le débloque, c'est une dinguerie. Allez, on fait un lancer. Allez, 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 le phénix. Allez, allez, oui, oui. Non, mais... Oh là 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 là. Ça va être très dur de le débloquer. Bon, les gars, regardez, ce que je vous ai pas dit, c'est que, hop, j'ai une petite caméra de surveillance. Et comme vous le voyez là, c'est la pièce secrète de Twan Lag, les gars. C'est-à-dire que je peux l'espionner et voir si l'agent Z va être juste à côté de lui. C'est parfait. Qui n'imagine pas un seul instant que je vais perdre de vue ma mission. Je sais de quoi ils sont capables. Et pour ça, j'ai tout prévu. Laissez-moi tester pour la toute première fois sur YouTube ma caméra endoscopique. Je sais que Twan Lag est le maestro des pièces secrètes. Et il est capable d'en construire une sous l'eau. Et il nous a déjà montré par le passé qu'il avait des bouteilles d'oxygène. Et de quoi se camoufler? Je ne me ferai pas avoir. Let's go! Oh, oh, oh. Oh oui, Twan Lag, tu ne m'échapperas pas. Où es-tu? Où es-tu, Twan Lag? J'ai entendu l'agent Z juste en haut. Ok, les gars, il me trouvera jamais. Oh, la tête qu'il va faire quand il va voir ma pièce secrète. Oh là là, les gars, comme moi, je suis tellement fier. C'est ma toute première pièce secrète. Et regardez comment elle est incroyable. J'ai des bonbons, des LED, un siège RGB, une Switch. Franchement, ça fait plaisir. Les gars, je vous promets, c'est la meilleure pièce secrète que j'ai jamais fait de toute ma vie. Elle est incroyable. Les gars, je vous le dis, c'est important. Dans une pièce secrète, il doit y avoir quelque chose pour vous occuper, de la nourriture, des petites peluches, parce que voilà, c'est plus sympathique, ça fait de la décoration. Et surtout, il vous faut un maximum de discrétion. Donc là, regardez, moi, je suis caché dans les pop-corns. C'est impossible qu'on trouve. Me voici dans le salon. C'est maintenant que les hostilités commencent. Y a pas à dire, on a affaire à un joli salon. Regardez-moi cette trappe. C'est typiquement les endroits que Twan Lag aime beaucoup pour construire des pièces secrètes. Alors, y a pas une minute à perdre. Wow! Lampe UV. S'il y a des traces de doigts, des empreintes, on va vite le savoir. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que ce serait pas des empreintes digitales que je vois là? Oh, ho, 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 ho. Rien ne résiste à l'agent Z en mode détective. Et je vais regarder à l'intérieur ce qu'il se cache. Il n'y a absolument rien à l'intérieur. Je pense qu'ils ont pensé à faire leur pièce secrète à l'intérieur, mais qu'ils ont changé d'avis. Bonne idée de votre part, les gars. Mais ça veut pas dire que je vais pas vous trouver, hein. Bon, les gars, vous savez quoi? L'agent Z, il est tout en haut. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de ma pièce secrète et je vais aller me chercher tes popcorns. Les gars, depuis tout à l'heure, je fais attention à la caméra de surveillance et regardez, je vois Twan Lag, je sais pas ce qu'il fait. Il est sorti de sa pièce secrète. Il est complètement fou. L'agent Z, il pourrait arriver à n'importe quel moment. Moi, je sortirai pas de ma pièce secrète. Wesh! Les gars, Twan Lag, il vient de sortir de sa pièce secrète, regarde. Wesh, il est en train de se prendre des popcorns. Mais c'est un malade. Twan Lag! Oh, c'est un malade. Oh, je crois qu'il arrive vers moi en plus. Mais c'est quoi ce fou? Mais je t'entends depuis tout à l'heure, gros, tu fais quoi? Mais gros, je te vois, regarde.
T'as vu, j'ai pris des popcorns. Est-ce que t'en veux? Non, non. Je vais t'en chercher. Allez, je viens. Bouge pas, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, il va voir Bobo. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que nos pièces secrètes, elles sont liées. Si l'agent Z vient ici, c'est sûr qu'il va me trouver après. La cuisine. Ah, c'est ici qu'on va se régaler. Mais je suis pas venu là pour manger, je vous rappelle. Je suis venu là pour trouver les meilleures pièces secrètes qui n'ont jamais été créées en France. Non? Non, non. Oh, ça commence à être intéressant ce que je vois là. Allez, une petite gorgée pour reprendre des forces. Agent Z, mode détective, énergie oasis activée. Bon, je crois que j'ai fait le tour du salon, les gars. On va continuer à avancer dans la villa et je suis sûr que je vais réussir à les débusquer. Tiens, Bobo, je t'ai ramené des popcorns. Oh, tiens, je fais pas ça en échange. Oh oui. Attends, je vais demander la même chose à Bilal. Les gars, il est en train de rentrer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou. Bilal? Quoi? Mais tu fais quoi? Mais va dans ta pièce secrète, t'es bête ou quoi? Mais c'est bon, il est tout en haut, l'agent Z. Mais faut, mais en plus, il est dans cette maison, mais t'es malade ou quoi? Il va nous entendre. Est-ce que tu veux des popcorns? Vas-y, je veux bien. Tu me donnes quoi en échange? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Oh, mais j'avais pas vu ça! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est incroyable! Pringles, goût barbecue! Allez, vas-y, vas-y, attends. Allez, c'est pour toi. Ramène-moi mes popcorns, hein. Oh là là, il régale, les gars, il régale, toi, le lag. C'est trop bon. Ok, c'est parfait, là, j'ai des popcorns pour Bilal. Bilal, j'arrive. Tiens, Bilal. Let's go les gars, j'ai du popcorn. Vas-y, retourne dans ta pièce secrète, reste pas ici. Allez, vas-y. Rhabillez-vous les gars, j'arrive. Tiens. Est-ce que ce serait pas là que se cache Twan Lag? Twan Lag! Il fait le mort. Pas de soucis, j'ai tout prévu. Grâce à cet ongle que j'ai spécialement fait pousser pour l'occasion, je vais pouvoir ouvrir cette porte comme si j'étais un serrurier. Et c'est ouvert les gars. Oh mince, des toilettes, c'est totalement raté. Mais il y a un t-shirt ici. Regardons grâce à ma lampe UV s'il se cache des indices sur ce t-shirt. Oh là 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 là, regardez ce que je vois. Regardez ce cheveu là ici, regardez bien. C'est un cheveu en frisottis, légèrement ondulé et très court. Je pense qu'une seule personne peut posséder ce genre de cheveux. Et cette personne-là s'appelle Bobo. Il est très probable que Bobo ait fait caca ici dans la journée. Donc on va continuer notre enquête. Faut vraiment pas que je fasse de bruit, les gars. Mais les gars, toi là, il fait n'importe quoi. Il est même pas dans sa pièce secrète. Non! J'ai mis des popcorns de partout, les gars. J'en ai renversé. Le pot, il était cassé. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les gars, j'ai mis des popcorns de partout. Ok, c'est pas grave. J'espère que l'agent Z, il va pas le voir. Les gars, je suis trop refait. J'ai eu mon popcorn. Hop là. En plus de ça, qui dit popcorn, dit PlayStation. Moi, j'aime trop manger et jouer à la play, les gars. Je vais prendre la petite canette que j'ai volée à Twan Lag. Prends ta bien fraîche, chacal. Ok, oh là là, mais on se met bien, jolie chambre à ce que je vois. Vue sur la piscine, télévision incluse, tableau de fleurs. À la base, ça doit sûrement être une chambre de fille. Mais je pense que c'est pas impossible qu'un de ces garçons soit caché ici. Oh! Tiens. Je vais devoir mener mon enquête personnellement pour savoir ce qui se cache derrière cette armoire cassée. Mystère et boule de gomme. Pour creuser un peu plus cet indice, j'utilise la loupe. Regardez, les gars. On le voit à plusieurs endroits de l'armoire, ici notamment, qu'à cause du poids d'une certaine personne, cette armoire a cédé. Et ils ont même pas eu l'intelligence de ramasser, de ranger ou de nettoyer. Parce que ce sont de gros crados! Je vais devoir faire deux fois plus attention aux armoires à partir de maintenant. L'agent Z, il va pas tarder. Mais j'ai le temps d'aller voir la pièce secrète de Bilal parce que je l'ai pas vue. Ok, je vais. C'est bon les gars, j'ai fini de sortir. J'ai dû me dépêcher parce que là, l'agent Z il va bientôt arriver. Mais regardez ce que j'ai eu. Bobo il m'a donné du coca. C'est l'agent Z. T'as cassé ma pièce secrète, mec, on fait comment? La meilleure pièce secrète. Non, dépêche-toi, il arrive. Je me dépêche. Oh oui, ça marche, let's go. Faut vite que je me dépêche, je vais aller voir celle de Bilal. Un petit FIFA avec un petit Fanta. Oh, Mais tais-toi, t'es bête ou quoi? Mais gros, ta pièce secrète, elle est incroyable, regarde-moi tout ça. Y'a la chaussette qui arrive, vas-y. Ok, donne-moi un truc. Oh, je prends le truc. Mais oui, j'ai arrêté de me voler des trucs dans ma pièce secrète, toi, là, Boris. Oh, vous savez quoi? Le prochain qui vient, hop là, je m'occupe de son cas direct. Papa, agent Z ou pas? Venez avec moi, cette chambre a l'air insane! What? Mais en tout cas, je vois pas de pièce secrète à l'horizon. Franchement, Twan Lag, si t'as envie d'être inspiré, crée une pièce secrète dans les toilettes, un de ces quatre! Qu'est-ce qui t'en empêche? J'aurais bien aimé que tu le fasses aujourd'hui, ça m'aurait permis de te trouver! Je viens de penser à un truc, mais le Coca-Cola, c'est du Coca-Cola en bouteille? J'ai pas d'ouvre-bouteille! Comment je fais pour l'ouvrir? Les gars, je vais réussir à l'ouvrir. Objectif, ouvrir cette bouteille. Attendez, peut-être avec la lumière là? Oh, j'y arrive! Je sais que je peux le faire! Oui! J'ai réussi, les gars! Allez, santé! Hop, les gars, j'ai pris ça dans la pièce secrète des Bilal, c'est incroyable. Je vais les mettre dans mon décor. Hop, le petit drac au feu, juste ici. Et ça, je sais pas ce que c'est une carapace, mais je la mets là. Hop là! Bon, les gars, on va entamer un match là. Il y a le PSG.
là, il y a l'OM. Vous savez quoi, je suis allé au Vélodrome et j'ai jamais vu des supporters autant accrochés à leur club. Du coup, je prendrai l'OM. Allez l'OM, oh, les gars. On va exterminer le PSG. Hop là, c'est parti les gars, on rush. Mais c'est quoi ces joueurs tout le temps? On y va. Oh, les gars, ça va être trop dur. C'est quoi ces joueurs? Je suis en train de regretter les gars. Je crois Marseille, ils sont pas super bons. Hein. Hop, c'est parti les gars. Je suis vraiment trop bien dans ma pièce secrète. Je suis en train de jouer à la Switch là. Allez hop, c'est sûr, je vais finir premier. Je suis trop fort. Bon, je suis vers les derniers, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Je suis cinquième. Quoi? Comment ça, j'ai eu des bananes? C'est trop nul. Ah, bon les gars, j'ai couru de partout là. Je vais me reposer un petit peu avec Stumble Guys. Et oui, je veux l'obtenir. Le Phoenix Cosmique, j'ai que 1% de chance de l'obtenir. Ok, ok, ok. Attention. Oh non, j'ai failli l'avoir les gars. Non, je peux pas parler trop fort parce qu'il y a l'agent Z. Les gars, suivez-moi, on continue la recherche. Moonwalk. On regarde. Oh, on dirait pas les gars. Mais ça, c'est le plus gros indice que j'ai trouvé dans toute cette vidéo. Regardez la disposition des canettes. C'est exactement de cette manière-là que Twan Lac procède pour construire ses murs de canettes dans ses pièces secrètes. Il a forcément pensé à faire une pièce secrète dans cette pièce. Et pour en avoir le cœur net, on va fouiller de partout. Chut, je crois que je suis en train d'entendre l'agent Z. Faut que je joue tranquillement. Let's go! Talonnade, c'est incroyable. Let's... Oh les gars, j'ai fait trop de bruit. C'est bon, j'arrête. J'arrête de jouer à la play. Allez, allez, moi j'y crois. Moi j'y crois, stop. Mais pourquoi il s'arrête juste après? Mais les gars, je passe à rien de l'avoir, c'est impossible, je vais jamais l'avoir. Je suis littéralement en train de tourner une vidéo gaming dans ma pièce secrète, les gars. Yo tout le monde, c'est Twan Lac Gaming, bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Stumble Guys. Dédicace à la chaîne Twan Lac Gaming, d'ailleurs, allez tous vous abonner si c'est pas fait. Oh là là, je crois que je vais gagner cette course, ça a l'air incroyable. En plus, j'adore ce circuit. Comment ça, il m'a doublé? Non, j'ai fini deuxième. Réfléchis, cerveau en éruption! Regardez ce que je viens de voir, les gars. L'indice du siècle. Regardez ce que je viens de voir! C'est typiquement les sièges que Twan Lac utilise pour ses pièces secrètes. Yoshi dans Mario. Je sens que Twan Lac est passé là il y a pas longtemps. Ah! Twan Lac! Je sais que tu es là! Bilal! Sors de ta cachette! Bobo! Je viens de crier Bobo. Pourquoi il vient de crier Bobo, les gars? Il m'a trouvé ou quoi? Les gars, pour le moment, l'agent Z, il est toujours en haut de la maison. Il est toujours pas descendu tout en bas. Et nous trois, là, on est tous cachés en bas. Je sens qu'on va passer toute la nuit dans la pièce secrète. Ça va être incroyable. J'ai envie de me reposer, les gars. On sait jamais, l'agent Z, il pourrait arriver à n'importe quel moment. Donc moi, je vais dormir avec ma petite caméra. Et heureusement, j'ai tout prévu, les gars. Les peluches, c'est pas que pour la décoration. C'est aussi pour le confort. On a pensé à tout. Là, on est vraiment bien. Je prends ma caméra de surveillance. On sait jamais, au cas où, on surveille l'agent Z. Et en même temps, je peux dormir. En vrai, les amis, je sais pas c'est laquelle la meilleure pièce secrète. Pour moi, c'est la mienne. Celle de Bilal, elle est très très bien. Celle de Bobo aussi. Mais Bobo, je sais pas, je pense qu'il va se faire cramer, les gars. Je vous mens pas, c'est juste un placard, sa pièce secrète. Les gars, ma pièce secrète, elle est incroyable. Mettez Team Bobo dans les commentaires. Les amis, depuis tout à l'heure, je fais les lancer 10 par 10. Je pense que si je les fais un par un, ça devrait le faire. Ok, hop, j'en fais un. Normalement, cette technique, elle marche. Non, c'est la pire technique. Les gars, regardez cette technologie de pointe. C'est une véritable dinguerie. Donc, si Twan Lac a fait une pièce secrète, on va voir tout de suite. Où est-ce qu'il se trouve? Bon sang, y a rien sur ce mur-là. C'est peut-être un faux miroir? Non, toujours pas. Les gars, on continue la recherche. Un seul mot d'ordre. Restez concentrés. C'est quoi tout ça, là? Mais, les gars! Bon, ça va. L'agent Z n'est pas encore là. Hop là. J'ai le temps. Allez. Oui, je l'ai eu, les gars! Oui, let's go! Je peux pas crier, parce qu'il y a l'agent Z qui est pas loin dans la maison. Mais j'ai débloqué le skin. C'est le plus beau jour de ma vie. Les gars, je viens d'entendre Twan Lac crier, c'est sûr, il vient de débloquer un skin légendaire sur Stumble Guys. Franchement, les gars, j'ai foutu du bazar de partout dans ma pièce secrète. En même temps, elle est tellement grande, je sais plus où donner de la tête. Des bonbons ici, des canettes. Je crois que j'ai aperçu l'agent Z. Il vient de passer devant l'armoire, juste devant la pièce secrète de Bobo. Oh, c'est chaud. Les gars, par contre, il va falloir que je me fasse discret et je vais arrêter de parler fort. Ah, où sont ces trois? Aucun! Mais c'est un fou, les gars. Les gars, j'entends l'agent Z, il est juste à côté. Je crois avoir trouvé un indice. Regardez le bout de mon doigt. La chaîne n'a presque plus d'huile. Ça veut dire que plus personne s'entraîne dans cette salle de sport. Ce qui veut dire que Twan Lac n'est pas caché dans cette salle. Mon faisceau d'indices m'indique qu'il n'est pas caché dans le jardin. Mais il y est passé. Il n'est pas caché dans la chambre. Mais il y est passé. Mais une chose est sûre. Il n'a jamais mis un pied dans une salle de sport. Donc je reprends mes recherches et il n'y a pas une minute à perdre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, il y a l'agent Z, il est dans la salle de sport. Oh. La salle de sport, elle est juste à côté du cinéma, les gars.
Chut, faut vraiment pas que je fasse de bruit là. Les gars, regardez ce que je vois. Il y a de la lumière qui sort du placard. J'ai déjà dit qu'il fallait vérifier à deux fois les placards. Venez avec moi, venez. Je crois que j'arrive au bout de mon enquête. Les gars, qu'est-ce qu'il fait? Je le vois, il est en train de déballer des outils. Faut vraiment pas que je fasse de bruit. J'ai trouvé quelqu'un. J'ai pas de doute là-dessus. Et pour ça, je vais utiliser mon dernier outil. Cette fois-ci, c'est la bonne. Regardez, je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un. Regardez-moi cette grosse saucisse qui va finir sur mon barbecue. Salut ma saucisse, comment il va? Mon enquête que j'ai menée rudement a fonctionné. Et voici le premier trouvé. Comment je suis dégoûté. T'as vu la pièce secrète de malade? Moi je suis pas là pour admirer les pièces secrètes. Je suis là pour débusquer ceux qui s'y trouvent dedans. Les gars, il y a l'agent Z devant la pièce de Bobo. Je crois qu'il l'a découvert. Oh non. Les gars, c'est fini. Il a découvert Bobo. Bon Bobo, je te laisse déguerpir d'ici, illico presto. Ouais, tu rêves pas. Allez. Il y a l'agent Z qui vient tout juste de trouver Bobo. En vrai, sa pièce secrète, elle était pas très discrète. Et j'espère qu'il va pas me trouver parce que là, du coup, il est juste à côté. Faut pas que je parle très fort. Ça y est, les gars, j'ai trouvé Bobo. Maintenant, il me reste plus que deux personnes à trouver. J'espère les trouver hyper rapidement. Comme ça, je pourrai me régaler en prenant tout ce qu'il y a dans leur pièce secrète. Et surtout, en réussissant ma mission. Oh my godness! On dirait bien qu'on a affaire à un vrai homme cinéma. Chut, il est juste là. Wow! C'est quoi cette salle de bien-être de fou? J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gars, l'agent Z est là. Je sais pas quoi faire. Chut, faut que je me fasse discret. Regardez l'ambiance. Un jacuzzi. Dernière technologie. Une salle d'UV. Mais attendez. Faut à tout prix que j'utilise un outil ici. Comme c'est un endroit où ils ont l'habitude de prendre du bon temps et se mettre à l'aise, ils ont dû laisser plein d'indices. Les gars, il est devant le jacuzzi. Qu'est-ce que je fais? C'est sûr qu'il va me voir. Les gars, j'utilise la caméra thermique pour regarder dans le jacuzzi. C'est simple, si l'eau est encore chaude, c'est qu'ils sont passés il n'y a pas longtemps. Et regardez visuellement ce que ça donne. On dirait que c'est de la lave. Je ferme ça parce que c'est pas là qu'elle est, mais je sens que je suis très proche d'une pièce secrète. Les gars, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Oh, ça c'est un vrai beau gosse, les gars. Agent Z, t'es mal à paire. Regarde l'anorak. C'est bizarre qu'il y a un encadrement sur un miroir. Très 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 étrange. J'ai une idée. Regardez, il y a les paquets de bonbons. Je vais me cacher juste derrière et c'est sûr qu'il me verra pas. Chut. J'ai comme l'impression que je suis en train de chauffer et je te parle pas du jacuzzi. De quel de mes outils serait le plus intéressant? Je pense que la loupe fera très bien l'affaire pour voir ce qu'il se cache réellement derrière ce miroir. Wow! J'ai cru voir un écran LED, les gars! Et vous savez que les écrans LED sont la base pour faire une pièce secrète! J'ai qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Ouvrir cette porte! Quoi? Une pièce secrète remplie de peluches d'exception! Mais qui se cache derrière tout ça? Quoi? Quoi? Bilal, reviens là! Les gars, je crois que l'agent Z, il a trouvé Bilal. Non, c'est impossible. Il était trop bien caché, Bilal. Reviens ici! Bilal, je t'ai trouvé! J'ai réussi à trouver Bilal en plein cœur de sa pièce secrète! Mais c'est pas juste, c'est toi de là, il est où? Ça, c'est le reste du travail qui me reste à faire. Il y a l'agent Z qui vient de plaquer Bilal dans la pièce secrète de Bobo. Mais c'est n'importe quoi! Par contre, les gars, ça veut dire une chose là. Je suis le dernier à rester caché dans ma pièce secrète. Faut vraiment pas que je fasse de bruit. Il me reste une dernière pièce secrète à trouver. Et je sais qu'elle appartient à Twan Lag. Donc à partir de maintenant. Il sera à moi! Je réussirai ma mission! Twan Lag, où te caches-tu? Où te caches-tu? Il est juste là, les gars. Chut, il est en train de tout retourner. Les gars, je vous le dis, j'ai trop faim! Donc il est hors de question que je parte d'ici sans me servir ce pot de popcorn. Non, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va tout casser, les gars. Waouh! Oh, j'ai jamais eu autant de popcorn dans le visage de toute ma vie! Oh, la dinguerie! Waouh! Ça va craquer, ça va craquer! Ça va craquer! Oh, je nage dans le popcorn, les gars! C'est insane! Je suis en train de nager dans le popcorn! Oh, mais la pièce craque! Oh, c'est trop bon! Bon, les gars, j'oublie pas mon objectif, faut vite que je sorte de là! Mais je suis assez régalé en popcorn! Oh! Regardez ce que je vois. J'ai l'impression qu'il est caché sous les pop-corns. Chut! Regardez comment j'ai fini! Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai cru voir un peu de lumière qui dépassait dans le sous la piscine de pop-corn. Et je soupçonne Twan Lag d'avoir construit sa pièce secrète à l'intérieur. Mais ma question que je me pose, c'est... Où elle est où l'entrée de cette pièce secrète? Ah! Ça m'énerve! Pas là. Elle est où l'entrée? Oh! Les gars, je pense que si j'attrape ça et que j'y...
tire en arrière. Waouh, Twanlag, c'est ici que t'étais caché. Non, tu m'as trouvé, mais comment t'as fait? J'étais juste en haut, en train de nager dans les popcorns quand j'ai vu un peu de lumière sortir. Mais pourquoi t'es allé dans les popcorns? J'avais faim, ça fait des heures que je vous cherche. Oh là là, mais pour une fois que j'aurais pu gagner une pièce secrète. Allez, Twanlag, t'es trouvé, tu peux sortir. Bon, l'agent Z, tu m'as trouvé pour cette fois-ci, mais je peux t'assurer que la prochaine fois, tu me trouveras jamais. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous pour regarder celle-là.